Hey, salut tout le monde, c'est Orenzia, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on va continuer notre rubrique évolution sur la licence Legend of Zelda. C'est parti les amis, c'est tout de suite. Oui les amis, on continue les The Legend of Zelda avec notre ami à colon vert, bien sûr Link. Et cette fois, on va faire les 5 suivants, parce que bien sûr c'est la partie 2. La partie 1 avait déjà été faite la semaine dernière, où on avait vu, si mes souvenirs sont bons, du premier Zelda sorti sur NES jusqu'à Ocarina of Time, sorti sur Nintendo 64. Donc là, bien sûr, évidemment, hein, la suite ça commence par, hein, vous savez ou pas, vous savez pas? Vous savez pas du tout. Non, vous savez pas. Et là, nous allons commencer par Majora's Mask, toujours sur Nintendo 64. Bon, c'est pas mon préféré, hein. Mon préféré reste Ocarina of Time, qui est quand même dans les top 5 de mes préférés The Legend of Zelda. Et cette fois, on va voir Wind Waker. Ah, Wind Waker sur GameCube. Ah, ça, j'adore. Ouais, ouais, non, franchement, il est très bien. Ça vous dit de voir ça? Et ben, on va regarder les trailers de ces 5 suivants. The Legend of Zelda. Allez, c'est parti les amis, profitez bien. Mais surtout les amis, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et à mettre un pouce bleu, c'est la récompense. Et surtout, n'oubliez pas, tous les dimanches, la rubrique évolution est là pour vous. Voilà les amis, allez, on regarde les trailers et on se retrouve après. A tout de suite.
trouvé donc les 5 suivants. Alors on a commencé par Majora's Mask hein, qui est un très bon Zelda, vraiment un très très bon. Même si, je sais pas, moi j'ai toujours eu un peu de mal avec, avec cet épisode. Je l'avais fait sur Nintendo 64, puis je l'avais refait la réédition sur 3DS. Et je sais pas, ça reste toujours le même souci. L'histoire est super géniale, mais ce système de temps, bah je sais pas, me plaît pas. Il me plaît pas, c'est dommage. C'est dommage, après il en faut pour tous les goûts. Je sais qu'il y a d'énormes fans de cet épisode Majora's Mask, mais moi, j'ai du mal. Après, c'est que mon avis, hein, bien sûr. Et moi, voilà, Majora's Mask, bien sûr. On a parlé de Wind Waker, qui était un super épisode. Moi, j'adore cet épisode sur GameCube. J'adore. Je m'en rappelle très bien avec sa petite boîte toute dorée, là. Ah, et puis ces petits personnages, je sais pas, ils sont trop sympas, ils sont trop mignons. Enfin, voilà, les amis, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi sur cette nouvelle rubrique Evolution. Partie 2, hein, des The Legend of Zelda. Évidemment, il y aura une partie 3, peut-être même une partie 4, parce que vu tout ce qu'il y a comme The Legend of Zelda, puis on va pas tout faire en même temps. On est là pour prendre du plaisir, c'est dimanche, et on en profite. Voilà les amis, je vous invite à me retrouver dans la prochaine rubrique Evolution, toujours sur The Legend of Zelda, et je vous dis à très bientôt. À bientôt, ciao ciao.